Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et ravie aussi de retrouver Dorella Yepan. Bonsoir Dorella. Bonsoir Charlotte, je suis très contente d'être à nouveau avec toi et avec vous tous. Alors, vous connaissez sûrement Dorella. Si ce n'est pas le cas, je vais lui laisser le soin d'en dire davantage sur elle. En tout cas, sachez que Dorella a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle est praticienne certifiée Belief Code, Body Code, Emotion Code, EFT. Tout ça, des termes peut-être que vous découvrez, mais vous allez voir, c'est passionnant, ça touche à l'énergétique. Elle est aussi praticienne en matrix réimprinting et elle est auteure. Voilà pour, on va dire, la carte de visite très succincte. Et ce soir, eh bien, nous allons échanger avec elle sur l'alignement et l'abondance, des techniques de libération émotionnelle pour un succès durable. Ce soir, nous allons voir justement le lien profond entre nos émotions, notre corps et nos énergies. Nous allons voir comment les émotions piégées peuvent influencer notre bien-être physique et mental. Nous allons voir aussi le rôle des croyances limitantes dans le schéma des répétitions, dans le maintien de ces schémas répétitifs et comment on peut les transformer. Et nous allons voir aussi des techniques simples et très efficace, tels que l'EFT, le code des croyances pour libérer ces blocages émotionnels et aligner nos énergies. Voilà pour ce programme aujourd'hui qui va être aussi un programme pratique, même si bien sûr il y aura un atelier un peu plus tard pour approfondir et travailler tous ensemble sur ces libérations. Ce soir, il y aura aussi quelques techniques. Vous allez aussi découvrir comment les techniques de libération émotionnelle peuvent transformer votre vie, explorer l'interaction entre le corps et les émotions, développer votre confiance en utilisant des outils très pratiques. Et après, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi sortir des schémas répétitifs du passé et comment faire ce premier pas pour en sortir. Voilà pour le programme de ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre dans le chat pour toutes les personnes qui sont en direct et je les relayerai à Dorella. Et pour toutes les personnes en replay, je vous souhaite aussi la bienvenue et vous pourrez aussi suivre, commenter, vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications et toutes les conférences de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors voilà, j'ai planté le décor. Maintenant, Dorella, si tu veux bien, je te laisse te présenter en quelques mots supplémentaires et notamment peut-être mettre en lumière ces pratiques que tu abordes et qui peut-être peuvent paraître surprenantes, inconnues, puisque c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. Bah, j'ai de la chance d'être roumaine et aussi de vivre en France. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'en découvrir davantage. Et quand j'ai vu ce que les deux libérations émotionnelles font pour nous, j'ai dit c'est vraiment important de le partager, de le donner, de ne pas le garder que pour moi. Donc, je suis Dorella Yepan, comme tu l'as dit. Il y a les certifications. Je vais en parler un petit peu de ça. Pourquoi j'ai fait ces formations et qu'est-ce qui m'a emmenée jusque-là? En 2020, en plein Covid, je prenais une décision de divorcer. Et grâce à Covid, on n'a pas eu le parcours qu'on pensait avoir. Je suis tombée dans un cours de développement personnel et là, je découvre les techniques de libération émotionnelle. Et c'était un coup de foudre. Pourquoi? Parce que en travaillant sur moi-même, la relation avec mon mari a complètement changé. J'étais tellement amoureuse de lui et lui de moi. Et nous voilà en 2024, on est toujours ensemble et très heureux ensemble.
Donc, comme tu l'as dit, et je suis même auteur, ça aussi, c'est lié à l'apprentissage des techniques de libération émotionnelle, mais on ne parle pas de ça ce soir, c'est l'alignement et l'abondance. Mais je voulais souligner comment c'est vraiment important de faire un alignement. Et aujourd'hui, on parle de ça bien plus. Au-delà de la partie théorique, comme tu l'as bien dit, Charlotte, j'aime faire des exercices pratiques. Donc, ce soir, on va faire des choses ensemble parce que moi, je me dis toujours, il faut tester. Il ne faut pas nous croire. Il faut tester et voir ce qu'on peut ressentir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème « alignement et abondance » et qu'est-ce qu'il y a avec les libérations des émotions? Ben, on va commencer par parler un petit peu des émotions piégées parce qu'on a tendance à ne pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Il y a un corps physique et on ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? Moi, quand j'étais toute petite, je me disais que peut-être ces cellules sont comme des petits hommes qui communiquent entre eux. Bon, je n'ai pas eu de confirmation, mais dans ma tête, c'est un très beau film que je regarde, que tout mon corps s'est aligné pour travailler pour moi, qu'en fait, il y a une communauté qui travaille pour moi. Bien-être. Et si on réfléchit à ça un petit peu, parce que maintenant on connaît l'énergie, donc l'énergie peut-être c'est pas les petits bonhommes que moi j'imaginais en tant qu'enfant, mais si on n'est pas aligné, donc si on n'est pas en harmonie, je vais dire même, ben, il y a des déséquilibres. Je ne peux pas attirer ce que je veux parce que j'ai pas un certain alignement. Donc, posons la question un petit peu différemment ou à l'opposé, à l'inverse, on va dire. Nous, on a une vie qui est très alignée à qui on est maintenant. Donc, si on commence par dire tout ce qui ne nous plaît pas, on ne comprend pas que c'est aligné à nous. Et par exemple, pour moi, en 2020, je peux dire que ben, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était aligné à moi. Quand j'ai découvert les techniques de libération émotionnelle et j'ai commencé à travailler sur moi, ben, ma réalité a changé parce que mon énergie avait changé. Et après toutes les introductions, on va faire des choses pratiques pour tout comprendre. Mais maintenant, il y a toute l'information qui doit entrer pour mieux la gérer. Et ensuite, on va la dispatcher pour comprendre étape après étape. Donc, si tout ce que j'ai dans ma vie est déjà aligné à moi, est-il possible d'avoir ce que je veux et que ça devient aligné à moi? Petite question, est-ce que je peux avoir ce que je veux si ce n'est pas aligné à moi? Donc, vous pouvez répondre si vous pensez que c'est possible d'avoir ce que vous voulez si ce n'est pas aligné à vous. Et je vais faire mon petit exercice que j'aime beaucoup. J'ai un aimant, un palmier que j'aime beaucoup. Donc, derrière, c'est un petit aimant du frigo. Et cet aimant du frigo, ben, c'est moi, c'est vous, c'est votre corps à vous. Est-ce que je peux... Donc là, j'ai laissé le crayon parce qu'il touche l'aimant et il est là. Est-ce que je peux attirer quelque chose qui n'est pas sur la même fréquence que moi? On a reçu déjà des réponses. Non, je ne peux pas. Et c'est tellement important de comprendre. Donc, nous, on est l'aimant qui va attirer dans notre vie ben, ceux qui vibrent sur la même énergie, sur la même fréquence. Après, si vous voulez vous parler de fréquence, de vibration, d'énergie, l'important est de comprendre qu'on peut attirer seulement ceux qui est aligné à nous. C'est vraiment important de comprendre ça. Et maintenant, comment ça se fait qu'on a une certaine vibration, qu'on a une certaine énergie? Tout est énergie. Donc, nous, on a une énergie. Mais quand on dit que tout est énergie, les émotions, les pensées, les croyances, les convictions,
sont de l'énergie. Si j'ai une pensée, c'est l'énergie qui va interagir avec le reste de mon corps. Donc, si j'ai plusieurs pensées qui vont me limiter, si j'ai des émotions que je ne sais pas gérer, c'est comme si je mets dans ce bocal d'eau, j'ai un grand bocal, j'aime beaucoup avoir ça. Donc, si je prends des gouttes de couleurs différentes, cette eau, elle va changer de couleur. Je ne peux plus rester avec une eau transparente si je commence à mettre des gouttes de différentes couleurs. Donc, les émotions, vous savez, on dit que la colère, c'est du rouge, la tristesse, c'est du bleu. Après, il y a plein d'autres couleurs. Il y avait dans le film, il y avait l'orange et même le violet, donc le vert. Bon, mais si je mets toutes ces couleurs dans mon eau, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que je ne vais pas avoir une couleur qui va me plaire. Donc, si on transfère cette eau dans le corps, donc on a notre corps à nous qui devrait être comme l'eau, toute transparente. Et on commence à mettre des gouttes. On ne sait pas libérer la colère. On ne sait pas libérer cette tristesse. On ne sait pas libérer ce dégoût. Et ainsi de suite. Et du coup, il y a toute cette énergie qui reste piégée à l'intérieur de notre corps, qui va changer l'énergie de notre corps. Et ensuite, on attire les expériences qui correspondent à cette énergie que nous, on a. Les couleurs des chakras, oui, il y a même les couleurs des chakras. Oui. Donc, on peut jouer avec les couleurs des chakras, il n'y a aucun souci. C'était pour donner aussi l'exemple des émotions piégées. Donc, il n'y a aucun souci pour les couleurs des chakras. Là, c'était par rapport aux émotions qui restent piégées, comment ça change l'énergie. Et c'est important de comprendre que nos émotions vont influencer notre état physique et mental et émotionnel, on va dire après. Donc, il y a les émotions qui vont beaucoup, beaucoup influencer l'énergie de notre corps. Si on ne sait pas libérer les émotions, ben c'est comme si on rajoute, on rajoute, on rajoute. Donc, au final, il n'y a plus d'eau, il y a juste les couleurs qu'on vient d'ajouter et il y a plus d'eau. De toute façon, on ne peut pas profiter de l'eau. Il n'y a que les émotions. Bon, heureusement, dans l'énergétique, on peut libérer les émotions piégées. Il y a plusieurs techniques. Ben, je veux dire, toutes les techniques vont aider à libérer les émotions. Moi, j'utilise le EFT et le code des émotions pour libérer des émotions. On n'est pas arrivé là encore parce qu'on parle un petit peu des techniques et de ce que ça signifie dans le corps. Maintenant, on passe aux croyances limitantes parce que si on veut s'aligner pour l'abondance, donc pour avoir ce succès durable, on libère les émotions. Donc, il n'y a aucun souci, on a libéré les émotions. Mais à mon avis, il y a... Ben, c'est pas que mon avis, hein. Je vais dire, il y a beaucoup qui ont découvert la même chose. Il n'y a pas que les émotions qui comptent. Donc, c'est très important. C'est un premier pas à faire, très utile, très pratique. On peut tous le faire. La deuxième étape, c'est de découvrir les croyances. Est-ce qu'on a des croyances qui nous soutiennent? Ou est-ce qu'on a des croyances qui nous limitent? Voyons voir. Est-ce que vous pouvez nous partager des croyances que vous avez? Soit des croyances que vous pensez qu'elles vous limitent, soit des croyances qui vous aident. Et Charlotte, je ne sais pas, est-ce que tu veux partager des croyances que tu as? Liées à l'abondance, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être... par rapport au thème, alors l'abondance est vaste. Je vois pas là forcément de croyances, surtout qu'en plus, je sais,
tu l'as remarqué, les croyances, souvent on n'a pas conscience d'avoir ces croyances-là, en fait. Il y a des choses qu'on peut dire sans forcément en avoir conscience, et c'est parfois d'autres qui vont souligner, mais tiens, mais tu penses comme ça, et s'il y avait une autre possibilité, ou bien même des croyances dont on n'a pas du tout conscience, c'est-à-dire on ne va même pas le formuler, et d'autres ne vont peut-être pas le mettre en lumière. Là, je n'ai pas forcément de croyances qui viennent. Mais tu peux dire des croyances positives, donc des croyances qui te soutiennent. Oui, c'est vrai, puisqu'il y a des croyances... Mm-hmm. Alors, une de mes croyances positives, ça serait plutôt de l'ordre de « je rebondirai toujours, je trouverai toujours une solution, etc. » Il y aura toujours une solution, voilà, une ouais. porte. Parce que tu vois, c'est pour le succès durable. C'est pour le succès durable. Tu vois comment ça, c'est beau. Donc, c'est exactement ce qu'on est à la recherche. Donc, il y a des croyances qui peuvent nous soutenir, qui peuvent ne pas nous aider. Donc, si tu penses, par exemple, que tu vas toujours rebondir, il y a une autre personne qui va nous dire, ben, chez moi, rien ne marche. Et du coup... après, ça peut arriver que ça marche pas. Ouais. Et en même temps, je me dis, il y aura toujours, de toute façon... une autre possibilité, autre chose qui peut s'ouvrir à nous, auquel on n'aurait pas pensé. Et voilà. Mais c'est vrai que parfois, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, on va aussi être des fois aussi dans des périodes où les émotions, comme tu disais, hein, teintent aussi notre état d'esprit. Et c'est un peu moins évident de se reconnecter à ces croyances-là qui peuvent être soutenantes. Et d'où le fait aussi de s'aérer la tête, de faire des choses qui nous plaisent, pour après pouvoir se reconnecter à « ok, et s'il y avait autre chose qui pouvait être possible ?» Ouais, et tu as dit une très belle chose, parce que tu as souligné l'importance du travail avec d'autres personnes. Parce que des fois, on ne les voit pas, même si les gens vont le dire. Ça m'arrive dans les séances avec les clients, ils me disent les choses et moi, je note tout de suite. Ils ne se rendent même pas compte d'avoir dit une croyance limitante. Et ils sont tellement dans leur histoire à raconter. Et quand je dis, c'est comme j'ai dit ça, moi. Ah ben oui. Est-ce que tu vois la croyance limitante? Oui. Est-ce que tu vois comment c'est limitante? Oui. Maintenant, oui. Et du coup, c'est vraiment important. Donc, on fait ce petit jeu aujourd'hui pour comprendre que des fois, on ne connaît pas nos croyances. Et nous, on a les outils pour les identifier. Donc, on ne part pas juste à poser des questions. Grâce à l'échange que nous, on aura, il y a les réponses qui nous viennent. Parce que les techniques qu'on utilise nous aident à identifier qu'est-ce qui est caché dans le subconscient. Donc, ça, c'est vraiment très beau de découvrir. Parce que là, l'important, c'est de sortir des schémas répétitifs. Et la personne, tu l'as dit très, très bien, donc je rebondis à chaque fois, mais une autre personne dans la même expérience que toi va dire, ça ne marche pas. À chaque fois, j'échoue. Donc, ça, elle voit seulement l'échec. Peut-être que vous avez la même expérience, mais c'est l'état d'esprit que toi, tu as qui te fait voir le positif et l'autre va voir que le négatif. Le souci, c'est que là, il y a un schéma répétitif négatif pour la personne. Mmh. Elle va se dire à chaque fois, ben, chez moi, ça ne marche pas. Elle va renforcer ses croyances limitantes. Et avec les croyances limitantes renforcées, ben, la personne, elle se dit, l'abondance, elle n'est pas pour moi, ben, j'y arrive pas, je ne peux pas, ainsi de suite. Lorsqu'on s'arrête à ça. Alors, Lise aussi a partagé, merci à Lise de partager des croyances, en tout cas des idées aussi. Lise dit, les gens riches sont parfois pas très gentils et ou honnêtes. Pas très honnêtes. une autre croyance, il faut travailler très fort. Déjà, je travaille très fort et gagne moins que je devrais. On va les prendre une à une.
Les gens riches sont parfois pas très gentils et ou honnêtes. Je suis sûre, Lise, que tu penses de toi que tu es quelqu'un de gentil et honnête. Si tu penses que les gens riches sont pas gentils et pas honnêtes, tu ne pourras pas être riche parce que tu ne veux pas devenir une personne que tu apprécies pas. Donc là, c'est une croyance qui va te bloquer pour accéder au succès durable, le thème d'aujourd'hui. Après, il faut travailler très fort. Donc, c'est la croyance qu'on a travaillé très fort et du coup, en dehors du travail très fort, je gagne moins de ce que je devrais. Tu ne t'autorises pas, tu penses que tu ne mérites pas de recevoir plus. Donc, les croyances vont te confirmer ça dans ta réalité. Tu vas voir que tu dois travailler fort, tu changes de travail, toujours travailler fort, et en plus, tu ne mérites pas de gagner plus. Donc, il y a là-dedans des structures, du travail à faire, à découvrir. Mais quand on a identifié les croyances, les systèmes de croyances, on va en parler un petit peu plus ce soir, quand on les identifie, on libère. Donc, avec moi, ce que j'aime beaucoup dans les ateliers qu'on fait, il faut toujours arriver jusqu'à la fin. C'est pas juste une prise de conscience, c'est le travail qu'on fait ensemble. Donc, on commence avec comprendre cette partie théorique, le conscient qui se pose les questions, qui comprend, qui reçoit certaines réponses. Mais après, il y a le travail du subconscient qui est vraiment très important parce que je vais commencer par la fin de cet atelier. Le premier pas pour sortir des schémas répétitifs du passé, c'est de comprendre avec le conscient, mais il faut savoir, on disait soit qu'on utilise seulement 20% de notre conscient, de notre cerveau mental, des différentes idées. Après, c'était 10%, après, c'était 5%, après, j'ai entendu dire 2% à cause de tout ce qui s'était passé lors des dernières 4 années. Donc, juste imaginez-vous, il y a le conscient qui sait ce qu'il veut, qui sait que tout le monde désire avoir l'abondance. Donc, on veut tous pareil. Et pourtant, il y a ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Pourquoi? Et si on se dit qu'il n'y a que 2% du conscient, donc le pouvoir du conscient est de 2%, le conscient nous aide au moment où j'ai la prise de conscience, j'ai compris qu'il faut que je change quelque chose. Mais maintenant, il faut travailler avec le 98% du subconscient. Donc le conscient, il sait que il faut pas travailler fort. Il faut travailler facilement, aisément, et l'argent vient chez moi. On va dire ça comme ça. J'ai fait une réplique positive sur ce que Lise avait dit. Donc là, le conscient me dit ce que je veux. Mais maintenant, est-ce que mon subconscient est aligné à ce que je veux? Non, il n'est pas aligné. J'ai identifié des croyances limitante. J'ai identifié des émotions que j'ai. J'ai fait un travail de libération émotionnelle. Donc, on a nettoyé l'intérieur du corps. Et là, on se demande, est-ce que je mérite maintenant de gagner plus? Et le travail fait, c'est comme si, mais il me semble normal. Et on peut se trouver que, on arrive le lendemain au travail. Et il y a une augmentation, il y a quelque chose qui se passe, ou une baisse d'heures de travail, mais avec le même salaire. Donc, il y a des choses qui se passent parce que nous, on fait un travail à l'intérieur de nous-mêmes. Super, Dorella, merci. Il n'y a pas d'autres croyances, simplement un partage d'Yvette qui dit qu'elle a pratiqué la méthode EFT il y a quelques années et qu'elle pense qu'il faudrait qu'elle y revienne. Et oui, c'est très efficace, en effet, l'EFT. Lise, C'est je ce que je te voudrais faire. C'est remercie. ce que je voudrais faire maintenant. Parce que, comme je disais, j'aimerais beaucoup faire une petite démonstration du travail ensemble. Déjà, on est soit en direct, soit en replay.
Et ce qui est beau, même si vous êtes en replay, ben c'est l'avantage de voir que il y a cette technique qui fonctionne même quand on n'est pas en direct. Donc, lors des conférences, j'aime toujours donner un petit quelque chose. Si vous regardez les conférences précédentes, ben vous allez voir que vous pouvez faire le test musculaire. Et donc là, dans la conférence, vous faites le test avec moi, vous posez des questions, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'aimerais vraiment travailler un petit peu sur l'étapotement. Mais l'étapotement, sachez que c'est pas le EFT. Donc, dire que tapoter, c'est EFT, c'est comme dire que les lettres de l'alphabet, c'est la langue française. Il y a l'alphabet qu'on va utiliser, mais avec l'alphabet, on construit des phrases, on s'exprime, ainsi de suite. Et lors de l'atelier, ce que j'aimerais faire, et du coup ce que je vous propose ce soir, c'est de découvrir qu'est-ce que l'intention peut faire quand on commence à travailler sur l'énergie. Il y a donc les techniques de libération émotionnelle. Moi, dans les techniques de libération émotionnelle, je mets aussi le code des émotions et le body code, belief code, mais le EFT, Emotional Freedom Techniques, ça part des techniques de libération émotionnelle avec les tapotements. Et quand je commence des ateliers, depuis quelques mois, j'ai commencé à rajouter à quasi tous les ateliers les tapotements. Pourquoi? Parce que je sens que ça ouvre bien plus l'énergie. Quand on fait les tapotements, c'est comme on s'est fait une petite cure d'acupuncture sans utiliser les aiguilles et ça met en place l'énergie du corps. C'est comme si on va se relaxer entièrement et après, le subconscient, il est là à nous servir toutes les réponses. Donc, ce n'est pas un atelier qu'on fait aujourd'hui, c'est une démonstration de ce que le tapotement peut faire pour nous. On a un message avant de commencer. Oui, Yvette qui disait que pour elle, l'abondance ne signifie pas que le matériel, c'est aussi la joie intérieure, le bien-être, l'amour et d'autres émotions. Oui, l'abondance, finalement, c'est tout à fait ça. C'est beaucoup d'eux. Et beaucoup d'eux, on met ce qu'on veut derrière. Ouais. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, l'abondance. Bah, juste pour vous dire, moi, la relation avec mon mari avait changé grâce à un programme qui se nommait « Comment attirer l'abondance dans les rudes épreuves de la vie », un truc comme ça traduit en français. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux, moi, l'abondance, parce que l'abondance, c'est pas que le financier, exactement comme Yvette, j'ai pensé pareil. Je dis, moi, je veux l'abondance, j'avais même compris que ça va au-delà de ça, et du coup, j'ai retrouvé la relation de couple avec mon mari, que j'aime beaucoup, l'abondance avec les enfants que nous, on a ensemble, l'abondance sur le plan professionnel où je m'épanouis vraiment, et aussi sur la santé, parce que pour moi, l'abondance, je veux vraiment abondance dans tout ce que je veux. Donc, du coup, c'est important de le comprendre, vous aussi, qu'on ne parle pas aujourd'hui seulement de financier, mais abondance, on met ce qu'on veut, comme tu l'as dit, beaucoup d'eux, l'abondance dans tous les domaines de la vie. Donc, on peut mettre... Vigilant sur ce qu'on demande, parce que quand c'est on ça. Demande juste l'abondance au sens large, l'abondance, c'est beaucoup de... Donc, ça peut être aussi beaucoup de choses qui peuvent être désagréables, souffrants, etc. Non, il faut choisir. Donc, pas toute l'abondance, parce qu'en plus, je ne veux pas tout. Il faut jamais se dire « je veux tout », comme tu le dis, Charlotte. Si on veut tout, mais il y a tout le bon, tout le mal, parce qu'on veut tout. On ne veut pas tout. Et du coup, de savoir ce qu'on veut, mais par exemple, on disait, donc, alignement et abondance, succès durable. Donc, on pense ce qui est important pour nous. Moi, j'ai donné des exemples. Charlotte a très bien dit attention à ne pas tout mettre dedans. Et comme ça, on découvre ce qu'on peut attirer. Donc là, je vous propose un exercice juste pour voir un petit peu comment
vous appréciez, c'est le début. Donc, c'est juste une ouverture de ce qui peut se passer par la suite. Et comme ça, comme Yvette, c'est elle qui avait dit qu'elle doit s'y remettre, c'est ta chance de commencer ce soir. Et du coup, de voir comment on se sent, en faire des petits tapotements et on ouvre l'énergie pour se sentir mieux. À chaque fois qu'on fait quelque chose dans l'énergétique, on se met une intention. C'est pas juste pour le plaisir, mais par exemple, là, je vous invite de voir comment vous vous sentez. Donc, comment vous sentez votre corps et votre respiration. Et on va juste tapoter pour s'autoriser à respirer profondément et de découvrir si ça change quelque chose dans le corps. C'est important de tester, de voir qu'est-ce que ça donne quand on travaille avec l'énergétique. C'est vrai que des fois, on ne sent rien, mais ça marche quand même. Mais il est beau de voir et de découvrir ce que vous ressentez. Donc, je vous invite à prendre une inspiration profonde. Expirez lentement. Et vous mettez une note de 0 à 10 sur votre respiration. Donc 10, je suis à 10 sur 10, je pense que je respire parfaitement. 0, je n'arrive pas à respirer, je pense que personne n'est à 0 vraiment. Et on va tapoter juste pour changer l'état que nous on a maintenant. Et du coup, on va faire un petit exercice. Moi, j'explique les points pendant qu'on fait les tapotements. Je ne suis pas la personne à faire la partie théorique. J'aime faire la partie pratique. Donc, si ça vous dérange, faites après moi et découvrez comment ça se passe. Vous répétez à haute voix parce que de toute façon, on n'entend personne. Donc, il n'y a aucun souci. Vous ne dérangez pas les autres. Et vous répétez à haute voix. Et vous allez regarder ce qui se passe jusqu'à la fin de notre petit exercice ensemble. Donc, on va commencer à tapoter sur le point karaté, donc sur le côté de la main, peu importe quelle main. Donc, on peut changer de main si on est fatigué sur une main ou sur une autre. Et du coup, même si j'ai une respiration 2 et vous dites le chiffre que vous avez dit, je vais dire un 5 sur 10. Pour ne rester comme ça dans le vide, moi. C'est un très bon jour pour commencer à apprendre à accepter que je respire de 5 sur 10. Même si je respire de 5 sur 10, je choisis de commencer à m'accepter moi-même avec cette respiration. Même si je respire 5 sur 10, je choisis de m'accepter moi-même avec cette respiration et je suis prête et je suis ouverte à commencer à respirer à plus de 10 sur 10. Et on continue sur le sommet de la tête. Ma respiration maintenant, elle est à 5 sur 10. Et si vous devez bâiller, n'hésitez pas, mais moi je vais le faire quand ça me vient. Début sourcil. Ma respiration, elle est à... Et vous dites le chiffre. Coin de l'œil. Je respire à... Sous l'œil. Ma respiration. Sous le nez. Vous respirez, vous expirez. Menton. Ma respiration qui est maintenant à, et vous dites le nouveau chiffre, clavicule. Et je respire. Ma respiration est à,
au-dessous du bras, là où il y a le... Ouais, ça se voit chez toi, Charlotte, mieux que chez moi. Ma respiration, toujours au-dessous de 10 sur 10. Sous le sein, gauche et droite. Et je respire 2. Et on continue sur les doigts, à côté des ongles, sur l'ongle carrément. J'accepte ma respiration et on continue avec les deux autres doigts. Et je suis prête à libérer tout ce qui me bloque, à libérer. Ah, et désolée. Je suis prête à respirer à plus de 10 sur 10. Et je suis prête à libérer tout ce qui me bloque de respirer à plus de 100 sur 100. On va dire ça comme ça. Et on continue. Et je libère tout blocage de mon corps, de mon mental, de mon esprit. Et on continue sur le petit doigt. Et je libère de toutes mes cellules, de toutes mes structures et de tous mes souvenirs. Et on va s'arrêter. On prend une grande inspiration. Et on expire. Et si vous avez de l'eau, n'hésitez pas à boire une gorgée d'eau. Et maintenant, inspirez profondément. Expirez. Et vérifiez si vous respirez mieux qu'avant l'exercice. Et je te donne un peu la parole, Charlotte, pour me dire aussi comment ça a été pour toi. Je suis la testeuse numéro une ce soir. On attend aussi vos réactions. Et ben, ça a été pour moi. C'est toujours aussi agréable de prendre ce temps de tapotement et de recentrage sur soi. Et moi, je ressens quelque chose qui se détend davantage. Ça s'est vu sûrement avec mes bâillements. Quelque chose là, dès qu'on revient à soi, qu'on prend du temps pour aussi notre corps, qu'on prend du temps aussi au niveau énergétique. Vraiment, on voit des changements significatifs. Alors, je vais transmettre aussi les retours des personnes qui sont là en direct. Merci à vous. Alors, Sam, je ne comprends pas ce travail sur la respiration, alors que l'EFT, c'est pour libérer les émotions. Ne parle que d'émotions. Du coup, pour moi, c'est même pas suffisant de dire que c'était une technique de libération émotionnelle parce que nous, on travaille aussi sur le matrix reimprinting et on a compris qu'il faut arriver jusqu'aux croyances. Donc, c'est dans le EFT qu'on découvre des croyances et on fait le travail, de changement sur les croyances. La respiration, elle est fortement liée aux émotions. Donc, la façon dont on respire, par exemple, quand on a peur, essayez de vous imaginer dans cet instant-là que vous avez peur. Comment est-ce que vous sentez votre respiration? C'est comme si c'est gelé. Maintenant, imaginez que vous êtes en colère, que vous voulez casser vraiment tout. Comment est-ce que vous sentez maintenant votre respiration? Elle est vraiment alerte et on n'arrive même pas à s'arrêter. Donc, toutes les émotions sont connectées à la façon dont on va respirer. Donc, quand on fait les certifications dans l'EFT, une des pratiques qu'on apprend, c'est de tapoter pour calmer la respiration, pour ouvrir beaucoup plus la respiration. Parce que quand on fait attention à ce qu'on a, ben, je vais dire dans nos poumons, donc de voir
notre respiration, ça va influencer nos émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit quand on a peur, quand on ne sait pas quoi faire, il y a la crise d'angoisse et tout? Respire. Et là, il y a quelqu'un qui vient et te dit, respire, prends une grande inspiration. Et du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'était un petit exercice pour découvrir cette technique de EFT qui est juste une ouverture dans les ateliers que j'anime. Et c'est même pas ce qu'on fait dans l'atelier. Là, c'était vraiment de respirer et de voir est-ce que ça a changé en quelque chose mon état. Est-ce que je sens mon corps différent? Donc, il n'y a aucun souci de ne pas comprendre, mais c'est lié à ce que j'ai appris, à ce que mes professeurs ont aussi fait et pratiqué. Et je trouve que c'est génial de voir qu'on tapote 2 minutes et après, on sent qu'on peut mieux respirer. Qu'est-ce qui vient avec une meilleure respiration, une meilleure gestion de nos émotions. Merci beaucoup, Dorella, pour ta réponse et puis pour avoir souligné en effet ce lien entre les émotions et la respiration. Je pense qu'on peut vite s'en rendre compte. Comme tu disais, la respiration est plus rapide ou alors saccadée, plus ample ou plus restreinte, etc. Merci Sam aussi d'avoir soulevé cette question qui nous permet aussi d'aller plus loin dans ces pratiques-là. Lise dit « Tout s'est bien déroulé, je suis plus calme, merci. Yvette, j'ai baillé 2 fois. » Et je me sens à nouveau un peu plus détendue. Et pour Monique, elle dit « Pour moi, j'ai ressenti ma dernière respiration plus ouverte, comme si les poumons s'étaient élargis. » Et Samsam te remercie pour ta réponse. Merci. Alors là, tu nous parlais aussi de ton atelier, que là, cette pratique-là que tu viens de nous proposer, ce n'était pas forcément ce qu'on allait faire lors de ton atelier. Mais alors, je vais dire, qu'est-ce qu'on va faire lors de ton atelier? Ton atelier, c'est le 13 novembre. C'est un atelier pour créer votre abondance. On s'entend bien sur le thème, on va pas revenir dessus. Un atelier de libération émotionnelle profonde. Je vous mets le lien pour toutes les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui regardent cette conférence en replay. Le lien est en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et sachez qu'il y a un tarif particulier, l'atelier de libération émotionnelle profonde, avec aussi un autre pack qui est le pack complet de 4 conférences avec créer l'abondance, décoder votre corps pour accéder à l'abondance, éveiller votre abondance financière avec le body code et la sagesse de l'espace libéré, purifié et réaligner l'énergie de votre maison. Donc il y a 2 choses, un atelier et aussi la possibilité de prendre un pack. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, je vais l'expliquer. Donc, il y a soit cet atelier-là. Donc, si vous avez déjà participé aux autres ateliers, ben, vous les avez déjà. Soit je me suis dit, si c'est la première fois que vous me découvrez, dans tous les ateliers, il y a une certaine différence. C'est pas que un est meilleur que l'autre, mais justement, je me dis, ben, si vous avez chaque atelier, il y a une continuité dans tout ce qu'on travaille. Donc, il y a cet atelier qui vient après les précédents, où je me dis, il faut approfondir, aller dans un autre aspect, peut-être différent, et ça se construit sur ce qu'on a déjà travaillé ici dans l'académie. Donc, dans le décoder votre corps pour accéder à l'abondance, ben, on avait travaillé sur le body code pour le décoder, donc justement comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a comme blocage à l'intérieur du corps. Et en travaillant avec le body code, on découvre qu'il y a des blocages, on va libérer les blocages et on va mieux se sentir dans tout ce qu'on fait. Ensuite, on a eu un autre atelier
où on a éveillé l'abondance. Donc, on voit, là, c'est bien lié à l'abondance. Il y a des thèmes différents liés à l'abondance, mais chacun, il est bien différent. C'est comme si, on va dire, on fait soin, donc on va soin cheveux, ongles, et je ne sais pas, visage. Donc, il y a c'est des choses différentes, c'est des choses complémentaires. Donc, par exemple, même si on a le même thème d'atelier, à chaque fois, l'énergie qui se met en place, c'est différent. Vous pouvez voir ces différents ateliers, ben, c'est comme l'album de musique, parce que de toute façon, j'aime faire cette comparaison avec la musique. Donc, si vous aimez une certaine chanson, est-ce que vous allez écouter la même chanson plusieurs fois? Oui. Si vous aimez un artiste, est-ce que vous sentez des choses extraordinaires avec chaque chanson? Oui. Est-ce que vous pouvez dire, il ne faut pas écouter une chanson qu'une autre? Ben non, parce qu'il y a celle-là qui me plaît, il y a l'autre, et ainsi de suite. Et ensuite, le quatrième atelier, ben, c'est l'énergie de la maison. Par exemple, on fait beaucoup, beaucoup de travail sur nous-mêmes, mais il y a toujours pas le petit déclic. Et dans l'atelier de l'énergie de la maison, ben justement, on est parti chercher est-ce qu'il y a de l'énergie dans la maison qui nous empêche à avoir ce qu'on veut. Et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que ben, on fait ce travail énergétique sur la maison. Là, je vous avais parlé du fait que ben, le conscient, il est 2%, le subconscient, il est 90%. 98%. Ben là, ici, on peut dire, je fais tout ce travail sur moi, c'est comme le conscient. Parce que si je n'ai pas travaillé la maison, ben c'est comme si je travaille sur moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne m'aide pas, pourquoi ça ne suffit pas. Donc, c'est vraiment intéressant de penser au pack complet. Si vous avez déjà les autres ateliers, n'hésitez pas à les regarder à nouveau parce que ça va compléter ce qu'on fait dans cet atelier. Et je précise quand même qu'il y a un tarif particulier pour ce pack qui est à 147 euros au lieu de 183 euros. Donc, ça vous fait, on va dire, presque un atelier offert sur les quatre. Voilà, c'est la parenthèse. Et par rapport à ton atelier sur la libération émotionnelle profonde, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur l'atelier du 13 novembre pour créer justement notre abondance? Oui, Ça va se bah passer. écoute, là je voulais continuer à parler un petit peu même dans la Oui, conférence. Donc vas-y. c'est lié avec l'atelier, mais ça va nous aider à mieux comprendre. Donc comme vous l'avez vu, là on a fait un exercice de respiration, mais dans l'atelier c'est pas ça, parce qu'on part sur le thème de l'atelier et il y a les intentions qu'on met dans l'atelier. Donc pour moi c'est très important de découvrir tout blocage énergétique. Et sachez qu'à chaque fois, l'intention de tout ce qu'on fait dans la vie est très importante. Quand on part avec l'intention, par exemple, mon intention, c'est que mes ateliers fonctionnent pour mes clients en direct, mais aussi en replay, peu importe le nombre de fois que vous les regardez. Donc, c'est comme la chanson, je m'inspire de ça. J'aime les chansons, je ne dois pas être en direct pour les écouter. À chaque fois, je sens dans mon corps comment c'est magnifique et merveilleux de les écouter. Et de là, j'ai compris comment c'est important d'avoir l'intention. Parce que si vous pensez, ceux qui les chantent pensent comme ça, ils veulent apporter toutes ces émotions aux gens qui entendent les chansons. Donc, c'est un petit peu le même jeu que je fais moi aussi. Je veux que ça soutienne vraiment les gens. À partir d'une intention claire, où on va voir quels sont nos désirs, donc pas tout ce qu'il est possible, mais vraiment ce qui est important, il y a une énergie de groupe qui se crée. Et là, sur le EFT, c'est pas la respiration qui m'importe, mais c'est vraiment d'ouvrir cet espace énergétique, de découvrir et de libérer des émotions. Donc, c'est un tapotement, pas pour libérer une émotion, mais pour ouvrir un espace. Et c'est vraiment différent et ça va beaucoup plus en profondeur parce que lors des tapotements, on commence à bâiller, à libérer. Ça montre que le travail, il commence à se faire.
Et ensuite, ben, on utilise le Belief Code. Et là, je voudrais parler un petit peu parce que je suis partie dans toutes des choses techniques, mais le Belief Code ou le code des croyances, ça parle de tous ces blocages que nous, on a. Donc, il y a les programmes négatifs. Et nous, pour moi, les programmes négatifs, c'est comme les filtres à travers lesquels nous, on voit la réalité. Donc, c'est comme des lunettes de soleil. Et moi, je ne peux pas voir la vraie couleur de l'environnement tant que j'ai mes lunettes de soleil sur mes yeux. Et du coup, nous, on ne voit que à travers ces lunettes. Les programmes négatifs, des fois, je dis que ça roule devant nos yeux. Ça nous empêche de voir une réalité différente. Donc, on a parlé de quelques croyances par-ci, par-là, mais des programmes négatifs comme « je gâche tout », par exemple, on ne gâche jamais tout, vraiment, donc ça n'existe pas. Mais avec un tel programme négatif, moi, j'aime dire que c'est comme le cheval qui peut voir que devant ses yeux. Donc, moi, je vois que ça et je dis « je gâche tout ». Mais tout ça que je ne gâche jamais, ici, des deux côtés, je ne vois pas. Donc, retirer les programmes négatifs, c'est de voir tout ce que je fais bien aussi. Et là, sur ce que nous, on se met l'attention, c'est ce qu'on attire dans notre vie. Tant que je me dis que rien ne va pas, les choses qui vont, je ne les vois pas. Et les choses qui ne vont pas, ben c'est comme si elles viennent comme un aimant, elles n'arrêtent pas de venir. Donc là, les programmes négatifs, c'est très près du conscient. Donc des fois, on les connaît, des fois, on ne les connaît pas. Ensuite, il y a les croyances limitantes. Donc les programmes négatifs, elles se basent sur des croyances limitantes. Et les croyances limitantes, ce n'est pas la réalité, c'est notre réalité à cause des croyances limitantes. Non, mais moi, je sais, moi, je crois, moi, j'ai vu. Donc, quand on est toujours là, mais c'est les limites qu'on se pose nous-mêmes. Donc, quand on a les croyances limitantes, on ne peut pas passer à travers les croyances limitantes, on ne s'autorise pas. En dessous des croyances limitantes, il y a les croyances fondamentales erronées. Si vous voulez les voir disposées différemment, c'est comme si on a construit un arbre. Les programmes négatifs sont les branches de l'arbre. Les croyances limitantes, c'est le tronc de l'arbre. Les croyances fondamentales erronées, c'est les racines de cet arbre. Donc, ça va plus en profondeur. Et là, pareil, donc on peut retrouver même le programme, la croyance, ainsi de suite, le même. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. L'important, c'est de les identifier, de voir les liens entre eux et de comprendre l'histoire qui les lie et qui, jusqu'à présent, nous empêchait d'être alignés à un succès durable, à l'abondance, à ce que nous on veut. Donc, les croyances fondamentales erronées, c'est comme des racines, on parle bien plus en profondeur. Et là, on arrive à ce qui est de plus puissant, l'identité fondamentale erronée. L'identité fondamentale erronée, c'est s'identifier avec ses croyances. Et par exemple, si je pense que je dois travailler, je dois bosser dur parce que je ne mérite pas. Même si dans ma vie, il y a quelqu'un qui me propose un travail facile, qui me dit comment je suis méritante, tout se détruit parce que si moi, je reçois quelque chose qui va de travers à mon identité fondamentale erronée, Je perds mon identité, je ne peux pas perdre mon identité. Donc, ce travail qu'on fait avec le Belief Code, le code des croyances, c'est de réussir à identifier de telles croyances qui bloquent. On sait les libérer, on les libère lors de l'atelier. Et là, on va découvrir qu'il y a la possibilité d'avoir une réalité complètement différente. Donc, à la place d'être dans cette identité de « il faut travailler dur »,
je vais me sentir plus dans l'identité. Non, le travail, il est facile pour moi. Et du coup, on se construit une nouvelle réalité avec une identité toute nouvelle qui est ancrée à l'intérieur du corps. Donc, le travail, il est hyper simple, mais il y a une structure pour y arriver. Et comme disait Charlotte en début d'atelier, des fois, on ne les voit pas nous-mêmes. Donc, ouvrir cette énergie, s'autoriser à découvrir ce qu'il y a comme blocage, comprendre qu'on travaille toujours en spécifique, donc c'est pas en général. Par exemple, j'ai eu une cliente qui avait une croyance limitante, les rêves sont morts. Elle me dit non, mais j'ai pas ça, j'ai plein de rêves, je fais plein de choses, et je lui attire l'attention qu'on travaille sur un thème spécifique. Et là, elle me dit, tu sais, je dis souvent, c'est mort, c'est mort. Elle n'était même pas consciente de ça jusqu'à ce que je lui montre en face et elle comprenne, en fait, je le dis tout le temps. Donc, elle pensait qu'elle était quelqu'un de très rayonnant, de quelqu'un de très bien et tout. Et du coup, elle avait besoin de sortir du schéma qui l'empêchait à avoir d'autres choses. Donc, ça, c'est pour vous de comprendre que c'est vraiment beau de voir comment les choses se mettent en place pour vous aussi. On identifie donc les croyances fondamentales erronées, c'est les racines de cet arbre que je viens de décrire. Et l'identité fondamentale, c'est comme la terre dans laquelle on a planté l'arbre. Et d'habitude, l'identité et la croyance fondamentale, elles sont comme les racines, elles sont très bien entremêlées. Et de là, il y a tout l'arbre qui va grandir, pousser. Donc, les émotions piégées sont les feuilles de l'arbre. C'est pour ça que travailler que avec les émotions, c'est couper les feuilles de l'arbre. L'arbre, il est toujours là. Dans l'EFT et dans le code des émotions, on a appris qu'il faut partir jusqu'à la découverte des croyances limitantes, les identifier et les libérer. Et il y a un travail en parallèle qui se fait. Et moi, comme je pratique les deux techniques, j'ai compris comment les utiliser ensemble dans les ateliers. Et comme ça donne beaucoup plus de possibilités de travail. Donc, pour faire un petit récap sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, les émotions piégées dans le corps, c'est important de les libérer. Donc, si il y a des émotions piégées dans le corps, l'énergie ne circule pas. Donc, ça nous aide pas, ça nous bloque, c'est l'énergie qui est bloquée et du coup, ça attire des énergies qui vibrent sur cette même fréquence. Du coup, ça va de plus en plus bas. Donc, il faut mettre un stop. Je ne sais pas comment le faire, mais je fais faire en quelque sorte de être mieux. Donc, c'est important de faire ce travail. On utilise plusieurs techniques, on peut utiliser plusieurs techniques et on découvre que ça nous aide à nous sentir mieux. Les émotions piégées affectent l'état physique de notre corps. Donc le corps, il va toujours nous parler, mais toujours. On avait dit décoder votre corps pour accéder à l'abondance. Donc c'est bien ça. On découvre à travers notre corps ce qui est bloqué. Et quand on travaille pour la libération des émotions, on voit le prochain pas, on découvre les croyances, on libère les croyances et petit à petit, on découvre qu'en fait, le corps, il nous a toujours parlé. Maintenant, on sait comment le comprendre. Donc, on peut travailler à la maison, bien sûr qu'on peut travailler à la maison. Donc moi, je le suggère tout le temps. Déjà, vous avez l'enregistrement, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et je vous dis même, plus vous travaillez, plus en profondeur on travaille ensemble. Donc par exemple, je prends soin de mes cheveux quand je suis à la maison. Donc je ne les soigne pas que quand je vais voir ma coiffeuse. Donc, je peux prendre soin à la maison,
quand je vais chez elle, il y a des choses différentes qui se passent. Donc, je me sens très bien chez elle. Elle prend vraiment soin de moi. Après, le travail chez moi, ben, ça me fait avoir des beaux cheveux qui vont pousser. Donc, dans l'énergie, plus on travaille à la maison, mieux c'est. Mais des fois, il y a des blocages qu'on ne sait pas dépasser tout seul. Et c'est pour ça qu'on est là, pour travailler ensemble, pour laisser le subconscient parler avec moi directement. Et là, on découvre comment ça nous a aidés. Donc, c'est très pratique et très utile. Et les interactions, vous avez vu, même ici, une question nous a aidés à donner des réponses. Donc, quand on est dans le groupe, on a des questionnements, on se dit, mais moi, j'y crois pas, mais je comprends pas comment ça marche. Et ben, du coup, on découvre, ben, si ça marche pour eux, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Ben, je veux que ça marche pour moi aussi. Et petit à petit, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, et on commence à aimer beaucoup tout ce qui se passe. Et donc, quand je disais, à l'intérieur de cette conférence, c'est pas que le conscient qu'il faut travailler. Moi, de mon côté, je dis que c'est pas que le subconscient qui doit travailler non plus. Il faut aligner les deux, conscient et subconscient, pour qu'ils aillent ensemble. Si je fais qu'un travail conscient, ça m'aide pas. Ben, si je gère que le subconscient, je ne comprends pas ce que j'ai fait, donc je ne suis toujours pas alignée. C'est important d'avoir les deux et du coup, elles vont s'aligner avec un travail qui est fait ensemble pour les deux. Et du coup, pour parler de l'atelier, on a déjà dépassé le temps, j'ai même pas vu l'heure passer, donc c'était génial. Ouais, donc dans l'atelier, comme je l'ai dit, je vais le redire encore une fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est un travail où on ouvre l'espace avec l'exercice de tapotement. Je vais l'appeler comme ça. Mais l'intention, c'est de vraiment aller dans la plus grande profondeur, d'identifier des blocages émotionnels, d'identifier des croyances limitantes. Il y a l'alignement qui se fait grâce au travail sur les émotions et les croyances. Et une fois qu'on fait ce travail sur les croyances, les émotions, on peut même voir qu'est-ce qui est possible de faire pour l'avenir. Parce que il y a cette ouverture de ben maintenant j'ai un plan, maintenant j'ai une direction, maintenant j'ai quelque chose qui se passe. Et on va certainement mettre des croyances positives. Donc, j'aime beaucoup terminer les ateliers avec l'intégration des croyances positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, jusqu'à présent, je croyais ça, et maintenant j'ai l'opposé qui peut me soutenir de l'intérieur. Ce n'est pas encore ma réalité, mais je choisis d'y croire, d'y penser, de sentir que tout ça est possible. Et du coup, on va crayonner et construire quelque chose de magnifique pour nous soutenir. Et de là, ben, il y a un plan d'action qui va se créer, qui va vous emmener vers quelque chose de magnifique et extraordinaire. Et bien sûr, si vous participez en direct, il y a la possibilité de partager, de poser des questions, parce que je suis toujours ouverte à découvrir ce que vous avez comme question, de répondre à chaque fois. Même si il semble que j'ai pas de réponse, il y a toujours une réponse et il n'y a pas de question à passer à hasard. Elle a besoin d'être répondue. Du coup, on trouve toujours qu'est-ce qu'il y a comme réponse pour chaque question. Merci Dorella pour toutes ces précisions aussi par rapport à l'atelier et par rapport à comment cela va fonctionner. Oui, on arrive sur la fin de la conférence. En même temps, si vous avez encore des questions, elles sont les bienvenues. Vous pouvez encore les poser à Dorella. J'ai laissé quelques instants pour que vous ayez le temps si vous avez envie de poser une dernière question avant de conclure la conférence. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, Dorella, par rapport à la conférence de ce soir et puis au thème de ce succès
durable, en attendant peut-être une question, et puis après, sinon, on conclura. Oui, j'aimerais savoir si ça vous a plu déjà, parce que c'était Ah avec bon? grand plaisir de partager et du coup de prendre avec vous, de refaire le tapotement. Donc, comme je disais, c'est sur la respiration, je sais pourquoi. Donc, c'est lors de la certification que je l'ai appris. Donc, il n'y a aucun souci, ça fait partie des techniques de libération émotionnelle pour faire ce travail sur la respiration. Et vous pouvez même découvrir comment vous vous sentez quand vous faites l'exercice de respiration. Si c'est une chose à prendre, c'est déjà ça. Et après, je vous attends avec impatience pour l'atelier parce que c'est vrai que découvrir ce succès durable, moi, je considère que j'ai découvert la clé et j'ai hâte de la partager avec le plus grand nombre, plus on est... avec du succès, mieux c'est pour tout le monde. Juste penser que dès que vous rayonnez avec votre succès, ben les autres vont se sentir qu'ils veulent eux aussi et du coup vous pouvez influencer le monde. Donc c'est vraiment incroyable de désirer ce succès et de savoir que ça peut impacter les autres. Merci, c'est une belle conclusion. Lise, te remercie, un immense merci, vraiment. Yvette, oui, merci beaucoup, très intense. Et elle nous souhaite une bonne fin de soirée. Mercedes, remercie aussi. Et oui, si nous pouvions inspirer et puis aussi peut-être nous sentir plus en paix, plus libre aussi, d'avancer comme on le souhaite. Sam, te remercie aussi et souhaite une belle soirée. Merci beaucoup à vous tous pour vos interactions, pour votre présence, pour vos questions. Merci Dorella pour tes explications. Merci pour tes exemples imagés. J'aime cette image de l'arbre avec les feuilles comme les émotions. Et d'aller voir un peu plus loin aussi, peut-être dans ce qui est racine, dans ce qui est source. Et merci pour le partage de cette pratique de tapotement et de respiration. Et sur tous ces mots, sur toutes ces présences, ces pensées, eh bien, nous allons vous dire au revoir et surtout à bientôt à ton atelier, donc le 13 novembre, ou bien pour ceux qui ne peuvent pas être présents, bien quand vous le souhaitez, puisque ça sera disponible en replay. Et puis, sachez qu'il y a aussi ces quatre ateliers qui sont proposés et qui viennent, comme tu dis, compléter pour aller plus en profondeur. Merci, merci Sam Sam qui me remercie pour ma voix qui est apaisante. Merci. Merci à vous tous. Merci Dorella. Merci pour tous ces partages. Et belle soirée, belle continuation à vous. Tout le meilleur. On vous embrasse et à bientôt.